Après avoir échoué lors des deux éditions précédentes, le PSG sera bien au rendez-vous des quarts de finale pour cette Ligue des Champions 2023-2024. Score final 2-1 pour ce huitième de finale retour entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain. Comme vous pouvez le voir, ma voix est déjà en quart de finale. Euh, je vais essayer de tenir avec vous cette heure et demie de, de débrief, euh, un débrief que je vais faire en bonne compagnie euh, puisque euh, puisque je vais être euh, bien accompagné. Voilà, ça commence. Je commence déjà à me répéter. Euh, à ma droite, Valentin Feuillet. Comment ça, Valentin Bah écoute, mieux que toi apparemment, mon pauvre. <laughs> Mais non, mais toujours heureux d'être avec vous les gars pour, pour parler du PSG et de la Ligue des Champions. Donc euh, on a des choses à dire quand même, donc euh, c'est parfait. Et à ma gauche, j'ai euh, l'inénarrable, l'imprésentable. Alexandre Chayol, comment ça va Écoute, ça va bien, on va avoir des choses à dire, un hein, débrief de match-retour de Ligue des Champions avec pas mal de perspectives d'avenir, etc. On en parlera plus tard, mais c'est cool, il y a des choses à dire, ça fait plaisir. Est-ce que globalement, j'imagine, vous êtes, êtes satisfait, ne serait-ce que pour lundi UEFA, pour le foot français, que, cette, que ce PSG ait passé le stade des huitièmes de finale Bon, ah, sais, ça dépend vraiment de quelle posture on, enfin, on est après je pense que si on veut vraiment parler de, des clubs français oui forcément c'est bien qu'un club français et on souhaitera la même pour Lille et Marseille dans les prochains jours non. se qualifie non, mais après, ça, je bon. suis content pour l'indice UEFA parisien mais <rire> <rire> y a pas de... non, mais je parlais pour <laughs> les gens en général bien sûr. je pense que les gens, les, les gens qui ne supportent pas forcément un club de foot en France dans les clubs rivaux qui sont aujourd'hui présents je pense qu'ils sont contents. Après, si vous êtes supporter du PSG, de l'OM ou quoi, ce n'est pas obligatoire pour moi de supporter Bien le sûr. rival en Coupe d'Europe. C'est juste normal. Alors, on va revenir on va débriefer tout de suite ce match et on va peut-être regarder ensemble les compos. Les compos, euh, compos d'encore de une nouvelle innovation de, de Luis Enrique qui a décidé d'aligner 11 mois après, après sa dernière titularisation. Nuno Mendes sur le flanc gauche, celui qui, qui souffre physiquement depuis, depuis de, de longs mois, il a aligné aussi Hernandez et Beraldo en charnière, euh, un milieu qu'on a déjà vu en Ligue des Champions, Ruiz, Vitinha, de basse et Warren Zeyremri, et puis classique pour la ligne d'attaque, Barcola, Mbappé, Dembélé, même si, même si Barcola est sorti euh, à la mi-temps, est-ce que vous cette compo vous a semblé cohérente quand vous l'avez vu à 20h, allez euh, les 20h mm -hmm. Écoute, moi, pour ma part je l'ai trouvé totalement cohérente, euh, il m'est tout dans les meilleures dispositions. Après, juste peut-être que Dembélé est plus euh, en faux neuf et à ouais. Mbappé qui est sur le couloir gauche. Ça ressemblait euh, presque à un losange dans le jeu aussi, hein, parfois. Mmh. quand Parfois, tu es sur certaines situations, mais en tout cas, euh, pour moi, tous les meilleurs éléments étaient là, sachant qu'en euh, Marquinhos, on rappelle qu'il avait avec les pépins physiques, etc. Je pense qu'il n'était pas prêt à jouer ce match-là, euh, donc il nous met Beraldo, qui replace pour une fois euh, axe gauche. Donc, enfin, Beraldo est à son poste entre guillemets. Au niveau du milieu de terrain, il tente une animation. C'est un peu le type de joueur qui prône lui. On sait que Luis Enrique, c'est un, un coach qui aime les joueurs un peu fins techniquement. Quand il nous met Vitinha sur le positionnement au numéro 6, c'est vraiment du Luis Enrique. C'est là qu'on voit la patte Enrique. Euh, voilà, moi je pense que quand je vois cette compo, je vois du Luis Enrique, je vois la touche personnelle de Luis Enrique. Après, il y a des choix qui peuvent surprendre, entre guillemets, avec la titularisation de Nuno Mendes. Mais est-ce que lui n'était pas obligé, au, vu ce qui se passait au niveau des absences, etc., et de peut-être pas cramer Marquinhos, qui était tout juste et peut-être qu'il était juste obligé et qu'il l'a fait parce qu'aussi le joueur était prêt, voilà tout simplement. Moi, je suis plutôt d'accord. Oui, c'est vrai qu'on a ici le, le, le parfait mélange, je trouve, sur ce sur ce genre de match retour avec un, un net avantage. Tu on va dire tu, tu repars avec des, des valeurs sûres. Hein. Maintenant le trio d'attaque et, et l'entrejeu parisien recommencent de plus en plus à ressembler à ces deux trios, les trios titulaires ouais. classiques. Ougarté commence petit à petit à être plus un, un joueur de, de rotation et, et Ruiz le, jeu, le, le titulaire de complément parfait. Donc, les, les, les six devant étaient, étaient, on va dire, du, du pur classique. Et tu arrives malgré tout à apporter euh, quelques expériences, malgré tout, avec ce retour de Mendes un peu en douceur dans un match où Paris avait une avance. On parlera individuellement après de, de Mendes, mais c'est bien aussi de le relancer enfin titulaire. Tu remets Beraldo dans l'axe, tu, tu, tu mines de rien. J'ai presque envie de dire que tu testes Hernandez aussi dans l'axe qu'il ne l'a pas beaucoup fait cette année et tu vois tes valeurs sur au cage et à droite donc, euh, donc non c'est super c'est un parfait mélange et, et je pense que qu Enrique a parfaitement su préparer ce, ce match euh, tactiquement en tout cas alors le, le, le plan de jeu tactique vous, vous a satisfait. Maintenant parlons du match, parce qu'en titre, on a décidé de mettre Paris fait le boulot. Euh, Qu'avez-vous pensé de ce match Parce que, on a eu une première mi-temps dominée de bout en bout. Le PSG a fait le travail, a été très bon, que ce soit dans la récupération, dans la transition, a été très bon devant la, 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 dans la surface euh, basque. En revanche, en deuxième mi-temps, il y a eu un gros temps faible après le deuxième but parisien. Ça s'est concrétisé beaucoup plus tard, à la fin du match, avec ce but il euh, y a dix y a, y a minutes là de, de Merino. Si je dis ah, pas de ça fait. bêtises, qui que Rémiro, Rémiro, exactement. Mais au final, est-ce que pour vous, euh, ce que je vois dans le chat, que certains ont dit « Oui, c'est bon, ils sont pas sorti City ou, » ou alors « c'est pas C'était la société donc ça va ». Est-ce que vous, pour, pour vous, Paris a fait le boulot ou Paris a vraiment fait un match référence ce soir alors, au niveau du score, peut-être que le match est moins référence que le match allait, parce qu'on a un 2-1 face à un 2-0. Mais ce soir, j'ai vu les Parisiens, surtout à l'extérieur, il fallait rappeler que Paris n'a gagné aucun match en Ligue des Champions sous Louis Enrique à l'extérieur, pour le moment, donc enfin ce soir. Et là, peut-être que le score est de 2-1, mais il faut remettre les choses dans le contexte, dans le sens où quand Paris menait 2-0, que ça faisait 4-0 sur les deux matchs, oui, forcément, les Parisiens baissent d'intensité, baissent un peu le pied, et vont plus avoir tendance à gérer tranquillement. Voilà, donc. Voir le score euh, comme euh, un résumé Je pense pas que ça soit la, la bonne chose mmh. Mais par contre si on veut parler de la prestation Des parisiens, ce qu'ils devaient faire au match retour Et ce qu'ils ont fait, c'est parfait Ils ont fait vraiment tout ce qu'il fallait faire Sur tous les points, peut-être où on allait se dire Ah Paris cette fois ça va être dur pour eux C'est l'extérieur etc, ils nous ont montré que pas du tout Rien n'a changé et au contraire la prestation du match aller du Paris Saint-Germain, tu vois, si je devais mettre une note, je mettrais peut-être 6 sur 10. Ce ouais. soir, je mets 8,5. Ouais. Alors que le match aller, il y a 2-0, là, il y a 2-1. Donc, on pourrait se dire, ah non, le score est mieux à l'aller. Mais en fait, il faut juste regarder le match, la physionomie et se dire que Paris a fait tout ce que Paris devait faire. Et c'est quasiment parfait. En sachant que ça reste une stat, mais la dernière fois que le PSG avait gagné son huitième de finale retour à l'extérieur, c'était il y a huit ans. En 2016 contre Chelsea. À l'époque, il y avait encore Zlatan, etc. Ouais. On peut voir, d'ailleurs, les cinq derniers matchs retour. Merci, merci, Henri de, de nous avoir affiché ça. Les cinq derniers huitièmes de finale retour. Seule euh, la victoire contre le, le match nul contre le Barça, avec une victoire à l'aller, avait permis euh, au, au Paris Saint-Germain de se qualifier. Et non, il y a, il y a je, je... Dortmund aussi. Excusez-moi, je suis fatigué. Oui. Il y a aussi la victoire contre Dortmund après une défaite à l'aller au Signal la Iduna Park, mais, mais en tout cas, voilà, le PSG avait besoin aussi de cette victoire pour se dire qu'il n'y a pas d'espèce de, 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 de syndrome match-retour en huitième. Bien sûr, et, et c'est aussi important parce que, alors c'est peut-être pas un match référence comme on a tendance à, à l'appeler, parce que tu n'élimines pas un gros euh, d'Europe, pas un favori euh, au, à la victoire finale, mais c'est aussi important ce genre de match, parce que on peut le voir en Angleterre, on peut le voir en Espagne ces 10, 15, 20 dernières années. Les huitièmes de finale du, final du ramari des City ne sont pas aussi scrutés que qu'on le fait en France avec le PSG. Ouais. On essaie toujours de trouver la, la miette, la petite, le pixel qui ne va pas. Là, en fait, finalement, c'est un huitième final de finale classique d'un grand d'Europe, comme le peut le faire le Real ou City face à un, un adversaire qui est, qui est moindre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu cette double confrontation. Tout n'était pas parfait, notamment à l'aller. Ce soir, hormis ce petit but, comme l'a dit Alexandre, hormis voilà ce petit but, le reste dans la prestation, il y a du sérieux. On, a, on, on les a vus forts à la relance pour ressortir le ballon. On a eu Mbappé qui, qui s'est enfin appuyé voilà, sur, ses, sur ses qualités. On en reparlera plus tard, mais, mais voilà, c'est un match entre guillemets parfait avec beaucoup de positifs à retenir face à un, à un adversaire moindre. Mais le travail est fait. Et Paris surtout ne s'est pas fait peur. Et je pense que c'est ça qui est important compte tenu des, des, des derniers scénarios ces dernières années. Mais pour rejoindre Valentin, en fait, peut-être que les gens vont nous dire oui, la, la société est une équipe faible, etc., inexpérimentée. Oui, c'est le cas. Ça, il n'y a aucun débat. Personne ne peut venir me dire que Paris a affronté une top équipe de Ligue des Champions, un habitué ou quoi, parce que de toute façon, les stats sont là pour vous dire le contraire, si vous voulez vous appuyer sur des stats. Par contre, c'est la Ligue des Champions. C'est un, un match euh, aller-retour de phase finale de Ligue des Champions. Peu importe l'équipe que vous affrontez, ça reste avec les champions. Ça reste une grande compétition. Bien sûr qu'il y a des matchs beaucoup plus faciles que d'autres. Mais quand vous faites une double, euh, double confrontation quasi parfaite, entre guillemets, sur le résultat, 4-1 sur les deux matchs, et de toute façon, tout ne peut pas être parfait. Le foot, serait trop facile si on faisait des doubles confrontations parfaites. Même les plus grands clubs, même le Real Madrid, même Manchester City, qui, ont, qui a gagné la Ligue des Champions, a eu des périodes, dans, prenez ce de l'an dernier, mmh. a eu des périodes dans certains matchs de Ligue des Champions où ils n'ont été pas forcément bons. Mais on n'est pas sur une ligue, on est sur une coupe. Et moi c'est toujours ça que, là que je veux appuyer, ouais. c'est que c'est une différence. Une coupe, on est là pour passer match tour après tour pour la gagner. Le style de jeu au fond, tu peux le gagner sans avoir vraiment. Par contre une ligue, tu as 38 matchs etc. Si t'as si as 20 équipes, là faut être bon, faut avoir un style de jeu sur la durée etc. Bien pour sûr. perdurer. Là c'est des matchs one shot. Bon il y a des aller-retours les des champions, il y a une finale en one shot. Mais, mais hey passe les tours, bien sûr que tout ne sera pas parfait, mais tout n'a jamais été parfait pour tous les clubs. Bien le Real Madrid a gagné je ne sais combien de Ligue des Champions en faisant des remontadas, alors qu'ils ont fait des matchs catastrophiques à l'aller, etc., ou très moyens, à un début. Donc, il ne faut pas s'appuyer sur ça. Il faut se dire que Paris, on prend le match aller, match retour. On se dit, est-ce que c'est bien ce qu'ils ont fait Est-ce qu'ils devaient faire ça face à ce genre d'équipe Et ils l'ont fait Oui. Et en plus, oui. si, si tu prends ce, ce genre de, de, de comparaison, admettons, on, on, on verra euh, le, le, ce que fera le, le Real au retour demain à, à, à berlin Béo mais si euh, demain, le Real ne gagne que 1-0, ça fait que 2-0 face à Leipzig, après une première mi-temps en Allemagne où tu as été quand même désastreux et très malmené, très très malmené, malmené, malmené. Ouais. malmené est-ce qu'en Espagne, ils vont dire « Oh là là, le Real Madrid, est on s'inquiète, euh... on ne peut pas la gagner », alors que non, parce que le Real Madrid, c'est cette force tranquille. Ouais. Donc là, en fait, aujourd'hui, sans comparer bien évidemment le Real et, et le PSG en Ligue des Champions ces dernières années, le PSG, il y a eu cette force tranquille, mine de rien, sur cette double confrontation. Et c'est la marque des grands clubs en Ligue des Champions, c'est cette force tranquille. Une tranquillité, euh, pour finir, juste une tranquillité qui nous montre qu'en fait, à aucun moment, pour moi, vous allez peut-être parler des premières minutes de la, du match aller, mais tu as eu vraiment, parce que même quand la Real Sociedad, est, elle est légèrement inquiétante, cette équipe, de, dans ce que je veux dire, c'est il y a eu des grosses occasions, la barre, etc., au match aller, mais on n'a pas eu un moment où tu avais la Real Sociedad déjà qui ouvre le score. Où tu pouvais dire, ah ouais, là ils ont mal. Au final, Paris ne concède jamais l'ouverture du score, n'est jamais mené dans la double confrontation au tableau euh, d'affichage. qu'en fait, tu un Paris très mmh. tranquille qui se qualifie. Voilà, ça fera. Et oui, ça fera pas de... peut-être juste la performance d'une personne fera du bruit en Europe. La performance fera pas du bruit partout en Europe. Ah, Paris est favori, etc. Mais ils ont fait le boulot pour l'heure. Bah, Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match-là Parce que ce n'est pas non plus un match qu'on va disséquer tactiquement. Est-ce qu'on ne passerait pas tout de suite à l'évaluation Et notamment avec, à cet homme euh, dont on parle depuis, bah, qu'on parle tout le temps, c'est une superstar, il est plus mmh. grand presque que, que son club. C'est Kylian Mbappé qui, qui ce soir a... Non mais c'est pas... Oui, j'ai eu peur. Moi, les, gens je, je, les, je les, les, les gens savent dans le civil pour quel club je suis. Non mais euh, je ne le dirai jamais. Mais, mais aujourd'hui, Mbappé est peut-être devenu plus grand que son club, trop grand pour son club. Euh, bref, c'est tout ça pour vous dire qu'il oui. faut peut-être passer à l'évaluation euh, gentiment et noter notamment cet homme du match qui d'autre que lui, euh, notre ami euh, Kylian Mbappé. Mais écoutez, euh, Mbappé aujourd'hui euh, a répondu présent. Il était forcément très attendu de, de par l'actualité euh, mouvementée de ces dernières semaines. Hein, on, on, on le savait hein, qu'il a été mis sur le banc contre Nantes, qu'il est sorti contre Monaco, qu'il est sorti contre Rennes, euh, avec euh, cette, euh, cette fameuse discussion avec Luis Enrique. Donc on l'attendait au tournant ce soir. Et il a répondu présent, et j'ai presque envie de dire, vraiment en s'appuyant sur ses points forts. On ne l'a pas vu jouer ce rôle de numéro 9 dans l'axe, où ça décroche, où ça joue compliqué. Là, il a joué simple, il a fait les appels parfaits, il, il s'est joué facilement de la défense. De, de la Real. Il a toujours été parfaitement dans le tempo pour les appels à la limite du hors-jeu. Les finitions parfaites sur les deux buts. C'est de très beaux buts. Dans l'attitude, on l'a vu aussi euh, sourire, euh, souvent parler avec, son, avec, avec, avec ses coéquipiers. Donc le PSG avait besoin de ça. Mbappé avait besoin de ça, de rassurer, de montrer toujours sa motivation, etc. Malgré son transfert à venir au Real Madrid. Donc c'est vraiment... Il a répondu présent. Et ça fait du bien de revoir ce Mbappé-là, s'appuyer sur ses qualités, sur la vitesse, sur le drip, sur la finition, réfléchi. Donc euh, très content de revoir ce Mbappé-là. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu aussi aussi propre euh, dans un match aussi important. Est-ce que ce n'est pas la validation que Kylian Mbappé maintenant est l'un des meilleurs joueurs du monde Et dès qu'il faut répondre, il répond. Moi, je vais dire une chose, le foot, ça ne ment jamais. <laughs> Kylian Mbappé, ce soir, il n'est pas numéro 9, il n'est pas numéro 10, il est sur l'aile gauche. Et il fait ce qu'il sait faire de mieux. Et quand il fait ce qu'il sait faire de mieux, ça, ça fait ça. Ça fait doubler. Match retour de Ligue des Champions, fin. On remballe. Vous pouvez partir, c'est fini pour vous. La porte se trouve ici. <laughs> non mais, c'est juste ça ce qu'il faut dire. C'est qu'en fait, il y a des choses qui ne mentent pas. C'est simple. Mbappé, les deux buts qu'il met, c'est quoi C'est spécial, entre guillemets. C'est ce qu'il sait faire de mieux. En profondeur, contre-attaque, fin fin le gardien ne peut rien faire le défenseur se fait prendre dans la profondeur ou se fait prendre euh, sur la fin de la fin de Mbappé, le crochet etc c'est fini ça va trop vite l'enchaînement donc à un moment j'espère que lui-même ce soir c'est un petit déclic où il se dit voilà louis henri a un plan en tête il sait comment faire pour me bonifier regardez ce qu'il vient de faire ce soir au match retour quand on devait se qualifier j'ai suivi à la lettre ce qu'il devait faire j'étais sur l'aile gauche j'ai mis mon doublé fin du jeu voilà j'espère juste que ce match sera décisif pour lui, pour le PSG et pour Luis Enrique, et que maintenant c'est bon, on arrête les conneries, on a trouvé ton poste, vas-y gamin, en quart de finale, tu feras la même chose, c'est mieux. Le seul petit bémol euh, sur le, la pression de Mbappé, ce fameux repositionnement sur l'aile, on attend d'avoir plus de nouvelles sur, au sujet de Barcola, est-ce que c'est une blessure ou un ajustement tactique Peu importe, quoi qu'il arrive, il a fait une première période assez désastreuse, Barcola, ça faisait longtemps, je trouve, à titre personnel, qu'on n'avait pas vu un Barcola aussi perdu est-ce que Barcola n'avait pas été aussi perdu parce que bah en fait il s'est fait entre guillemets un peu asphyxié par ce fameux Mbappé sur le côté, Dembélé qui continue d'avoir à avoir un côté, Barcola est tourné un peu, était un peu perdu. Donc euh, est-ce que ça n'a pas entravé aussi un peu cette, euh, cette ascension fulgurante de Barcola Alors oui et non dans le sens où on sait que Mbappé ne va pas rester très longtemps au PSG, mais euh, quand Mbappé joue parfaitement sur un côté, forcément tu as forcément un joueur, c'est l'effet domino, tu en as un qui, 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 qui a du mal à suivre. Mais on verra sur d'autres matchs, mais en tout cas pour revenir sur Mbappé, difficile de trouver un point négatif ce soir sur, sur sa prestation. Sa note de c'est 8, 8 8 sur 10 bien évidemment la note de la rédaction. On va écouter Kylian Mbappé enfin je vais vous lire euh, ce qu'il a ah, ce qu'il nous a dit. Voilà ce qu'il nous a dit en, en, en micro de canal, il me semble. Euh, il a dit, alors on est très content, c'était l'objectif, donc de se qualifier. On voulait se qualifier et gagner, se rendre le match plus tranquille. On avait un plan de jeu clair, on ne s'est pas mis en grande difficulté. On savait tout de suite qu'il ne fallait pas dormir. 2-0, c'est un score un peu traître. Il fallait tout de suite doucher les espoirs. Euh, et ensuite, il a évoqué aussi... Est-ce qu'il a, voilà, il a aussi évoqué euh, Luis Enrique, il a dit « Je n'ai pas de message particulier, je veux toujours jouer avec des champions, c'est une compétition importante, je ne, serai, je ne serai jamais un joueur qui me cache, c euh, tout va très bien, il n'y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu'il y en a un, j'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. » Est-ce que là, euh, qui est c'est pas encore une fois de plus imposé en, le, en patron du PSG De toute façon, il y avait toute cette histoire, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce paramètre-là, enfin Valentin l'a évoqué, qui était il n'y avait pas un contexte favorable pour Mbappé avec l'histoire avec Luis Enrique, etc. Je pense que ce soir, on nous a parlé de réconciliation dans plusieurs quotidiens, etc., d'infos qui sont sorties. Mmh. Euh, je pense que la réconciliation, là, on voit qu'elle est là. Quand ton joueur te rend ça et que Luis Enrique met en œuvre tout pour que le joueur puisse te rendre ça, justement, je vois, enfin, franchement, c'est peut-être la réconciliation, elle se fait sur le terrain, en fait. Il y a des paroles, mais il y a des actes. Et les actes sont ouais. là pour que les deux se réconcilient. Les déclarations d'Mbappé, il doit les faire entre guillemets avec tout le contexte etc il les fait après le match après que ça soit très bien passé pour lui et pour son coach parfait enfin pour... au niveau du PSG ça va juste éteindre le feu tu vois qu'il y avait un on va dire qu'il y avait des branches d'arbres qui commençaient à cramer <laughs> euh, fallait pas que ça parte en feu de forêt ouais. mais euh... <laughs> Ça tu vois, ce soir, il, il arrête totalement. Donc, euh, pour moi, c'est bon. Tant mieux pour Je le PSG, pour le Vestiaire. J'ai presque envie de dire que dans cette histoire-là, il euh, n'y a presque que, que des gagnants. Parce qu'Mbappé il, il retrouve enfin ce. Parce qu'on l'avait quand même assez critiqué, entre guillemets, en Ligue des Champions, pour euh, cette capacité à de marquer presque que sur, sur PLT en Ligue des Champions dans les phases de groupe. Là, il a fait un vrai match euh, plein. Et Luis Enrique a, a su aussi taper du poids sur la table dans la presse en disant. Euh, si tu te barres cet été, euh, tu vas te barrer, mais tu auras des matchs où moi j'ai envie de tester autre chose parce que je suis entraîneur du PSG, et je prépare l'avenir. Ouais. Donc il y a eu ce coup, Tout le monde est un peu gagnant. Luis Enrique a, a repris sa place de patron où il a indirectement dit que personne n'était au-dessus du club et que ce, tactiquement, c'est toujours sa tactique qui allait euh, l'emporter. Et Mbappé a envoyé un message en disant Oui, mais je reste ton meilleur joueur. Donc euh, finalement, tout le monde gagne et. Ils ne sont pas obligés d'être les meilleurs amis du monde. Il hein. ne faut pas oublier qu'un club, ça reste une entreprise. On n'est pas tous copains avec, euh, avec ses collègues. Hein. La preuve, moi, je, je n'apprécie pas énormément Alexandre dans, Alexandre dans la vie. <laughs> le, de même. <laughs> ça se voit sur le plateau de toute façon. Et, euh, et, donc, et donc voilà, donc, peut-être qu'ils ne s'apprécient pas énormément, mais si les deux poussent le PSG voilà, vers le haut sur les 3-4 prochains mois, ça sera essentiel pour, pour le club et ce serait le plus important. Ouais. Moi, je pense qu'on a fait le tour sur qui est Mbappé. Finalement, cette, ce, ce petit incendie euh, n'a pas… <laughs> n'est pas parti en feu de forêt. N'est voilà, pas parti en feu de forêt, comme tu as dit. Voilà. Donc, euh, l'incident Monaco est peut-être clos. Euh, après, il peut très bien repartir si ce week-end, il n'est pas mais... titularisé ou s'il sort à la 45e. Mais à vite, que ça pourrait… Ça... Avec si, le Paris Saint-Germain. Si ce week-end, il ne fait pas le match complet, on pourrait dire que ce serait du management, vu que là, il faut le manager un peu. Parce que là, maintenant, Mbappé, la Ligue 1 s'est plié. Il faut le mettre… Tu le vois ce soir dans les meilleures de dispositions. Dire, hein. Ouais, en plus, faut le mettre dans les meilleures dispositions pour la Champions de... League. Il y a plus de ah. Euh, maintenant, tu vois, si Luis Enrique nous dit le manage, tu peux te dire ok. En fait, ah. il veut, il sait que le mec part à la fin de l'année. Maintenant, il veut le mettre en... en profit de ligue des champions. Il sait que la Ligue il la gagnera sans lui. Donc euh, voilà, pas de souci. On va enchaîner avec un autre top côté parisien, un top qui a été longtemps décrié. Euh, depuis son arrivée, alors il est arrivé il y a, il y a deux mois, et puis il a une saison dans les pattes. C'est Beraldo qui a été aligné. Bah, on l'a vu sur la compo juste avant, euh, défenseur central, donc son poste. Et toi, tu l'as trouvé euh, très intéressant. Écoutez, il reste un peu de place dans le train. Ceux qui veulent monter dans le wagon, euh, il y en a encore. Euh, axe gauche, c'est pas c'est pas la même chose que au poste de latéral gauche. Beraldo ce soir, il fait son baptême du feu. C'est parfait en Ligue des Champions, un aussi jeune joueur euh, qui joue son deuxième match de Ligue des Champions. C'est parfait, tout dans la qualité de relance, cette capacité à être un stopper, même sa capacité, justement, de relance qu'on voit sur le deuxième but parisien, le second but, mmh. c'est magnifique. C'est un joueur de collectif, c'est un joueur qui sent le jeu, qui est capable de relancer très proprement. Et ce genre de joueur, il te fait plaisir. Et, et ce soir, un mec de 20 piges brésilien, il est presque plus rassurant, presque. Je parle juste de ce soir, qu'un compère brésilien très expérimenté, dont je tairai le nom. Marquinhos, euh, <laughs> dans certains soirs de Ligue des Champions. Donc en fait, ce soir, euh, parfait. Luis Enrique a trouvé son joueur et il l'a trouvé en le repositionnant. Et encore une fois, le foot ne ment jamais. Un joueur à son poste, ce n'est pas la même chose que bricoler. Et bravo Beraldo ce soir parce que fallait avoir les épaules quand même pour aller se déplacer à l'extérieur et faire ce genre de match en Ligue des Champions. Bravo. Moi, je suis totalement d'accord. Et, et je l'avais dit. Alors effectivement, il y a eu des matchs où il est passé à côté, mais comme euh, personnellement moi je l'avais écrit après un match euh, au Parc où je, on en avait parlé aussi euh, sur le, le débrief euh, au match aller c'est il faut appeler vraiment à la patience avec ce joueur parce que c'est encore une fois c'est quelqu'un qui n'avait pas été aligné à son poste par Luis Enrique euh, la majeure partie du temps c'est un poste auquel, à laquelle il a, il a jamais été aligné au Brésil de toute sa carrière ouais. donc il n'avait jamais été latéral gauche au, au Brésil à Sao Paulo, il sortait lui aussi d'une saison comme on l'avait en dit, euh, entière avec Sao Paulo, son dernier match avec Sao Paulo c'était trois semaines avant d'arriver au PSG, il sort d'une saison à 50 matchs ou 60 matchs au Brésil ouais. en comptant championnat national, régional et Copa Libertadores et Coupe du Brésil donc euh, forcément il est, il est jeune, il débarque en Europe, dans un gros, dans un gros club euh, euh, européen euh, il a que 20 ans, donc il faut de la patience et c'est avec ce genre de match qui va prendre de la confiance surtout quand tu es aligné à ton poste c'est parfait ce soir Beraldo c'est parfait, et on en parlait en off ce soir. Euh, si on regarde bien historiquement dans l'histoire moderne du football, est-ce qu'il y a beaucoup de défenseurs sud-américains aussi jeunes qui arrivent dans un aussi gros club titulaire directement C'est très rare. Hein, les Thiago Silva et compagnie, les Marquinhos, ils sont passés par des étapes intermédiaires avant de, de, de devenir. Ah, sur euh, sur qui sont ça. devenus euh, au PSG ou euh, à la Milan pour euh, Silva. Mmh. Donc, euh, donc là, sa situation n'est pas simple, et il peut avoir une, une, une ascension fulgurante euh, potentielle s'il continue à aligner des prestations comme ça dans des gros matchs. 6,5 la note de Beraldo. Un peu dur, moi j'aurais mis 7,5 7, presque. J'aurais, allez, ouais. je serais monté pour t'ennuyer 7,5. Je sais que tu n'aimes pas 8, les demi points. <laughs> 7,5 c'est la note d'un joueur qu'on va, qu va, qu va noter tout de suite, enfin pas qu'on va noter, mais qu'on va, on va faire l'appréciation de, de, de ce joueur. C'est Vitigna qui encore une fois ce soir était point de basse et qui encore une fois ce soir a été intéressant. Écoutez-moi, on m'a <laughs> dit que Marco Verratti avait signé au Qatar. Je crois qu'on m'a menti parce que ce soir j'ai vu euh, le Marco Verratti des grands soirs avec Vitinha en 6, c'est un autre joueur encore une fois face au jeu, cette capacité à toucher le ballon, à le caliner un peu avec sa petite patte, c'est un beau joueur et la verticalité qu'il apporte dans le jeu parisien, franchement encore une grosse prestation de Vitinha, c'est peut-être même son meilleur match en Ligue des Champions avec le PSG. Ouais. Euh, tout simplement, il a totalement fait ce que Luis Enrique voulait qu'il fasse et il a posé énormément de problèmes à la Sociedad. Encore une fois, voilà, en 6, c'est autre chose. Tu sens que c'est un autre joueur. Ouais, le là, football, football tu il ne ment pas. Hein. Le football ne ment jamais. Il ne <laughs> ment pas, c'est ce qu'il nous dit depuis tout à l'heure. <laughs> et c est, c est, je pense que vit, euh, lui, qui était Vitigna, un des meilleurs euh, milieux du Paris Saint-Germain euh, sur euh, la phase de groupe, même s'il avait manqué quelques matchs, là, on est encore rassuré et on se dit que dans les prochains matchs, face à des prochains peut-être clubs d'une plus grosse envergure... Moi j'ai pas peur, je me dis que c'est un mec qui est capable d'élever son niveau et petit à petit cette saison on voit que Soulis Riquet c'est un joueur qu'on découvre encore avec de nouvelles qualités et jusqu'où sont ses limites. À vous de me dire, mais on sent qu'il a ce petit truc en plus et que c'est un sacré joueur de ballon. Moi, je suis plutôt d'accord. C'est que plus les, les mois passent, plus Vitigna devient, euh, pour le coup, euh, de manière unanime, le leader euh, du milieu de terrain du, du PSG. Ouais. Euh, Warren Emery euh, de par son de jeune âge, euh, se prend un, un petit mur logique avec des prêts, des prestations en deçà. Donc ça, c'est plutôt, plutôt normal. Fabien Ruiz est le parfait complément, mais on peut pas lui, demander, lui en demander plus. Ougarté est trop irrégulier. Et c'est vraiment euh, le milieu le plus constant. Techniquement, c'est le plus indispensable. C'est la valeur dans, sûre. C'est la valeur sûre. Dans la relance, pour sortir les balles, pour repartir très vite. Quand on a, on a les attaquants que le PSG a devant, forcément, il faut des, des milieux aussi techniques qui relancent vite. Et Vitinha, c'est la propreté euh, technique euh, du PSG. Donc la comparaison avec Verratti est, on va dire, un, excessive, mais c'est fait exprès. Un, un, un peu rapide, mais c'est fait exprès. Je vois où il va en venir. Et, et, et c'est plutôt, plutôt logique. Au PSG, on a souvent parlé de ce chantier du milieu et cette nécessité de recruter de, de grands milieux de terrain. Et, et c'est normal, c'est à, à juste titre, parce que le, le milieu n'est pas parfait au, au PSG. Il, 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 le PSG aura besoin de recruter peut-être plus de talents. On a parlé des Guimarèches, etc. Donc là, on va parler de Mercato. Mais c'est sûr qu'il manquera plus de talents au PSG sur les, sur les années à venir. Mais le, le milieu de terrain du par, parisien n'est pas aussi catastrophique qu'on a voulu le, le faire croire en mois de juillet ou mois d'août. Il commence à y avoir des, des valeurs sûres et des progressions grâce à Louis-Henriquet, grâce au sérieux de collectif. Et Vitigna en est le, le parfait symbole. Est-ce qu'on est qu peut dire qu'il a largement progressé Parce qu'il y a un an, c'est lui qui était très mauvais à Munich et il fait ce tir au calcium, qui manque de calcium, <laughs> qui aurait pu qualifier le paris france <laughs> ou au moins le relancer. Est-ce que, est que la prestation de ce soir, même si encore une fois, l'adversaire est à relativiser, est-ce que c'est pas la preuve que Vitigna est en pleine progression Mais oui, bien sûr. Il est en progression. Moi, c'est sa phase de poule de Ligue des Champions. Il est, il est passé à côté de certains matchs, mais le Paris est passé à côté de certains matchs. Mais remarquez quelque chose les matchs où Paris performe, il performe. Et c'est un des meilleurs genres de, des prestations parisiennes. Donc, pour moi, Vitignac, que ce soit en Ligue 1 aussi, il nous a montré face à Monaco, etc. De super frappes, une super panoplie. C'est un type qui, pour parler un peu vulgairement, cette saison, il montre qu'il en a quoi. Il montre que c'est un joueur qui, oui, l'année dernière a eu une saison compliquée d'adaptation, gros prix du transfert, etc. Il arrive dans un contexte en plus difficile. Mais là, tu vois que quand tu as un entraîneur comme Lucien Riquet qui lui donne un peu les clés pour réussir, qui le met dans les meilleures dispositions, ça ment pas. Le football ne ment jamais. Et tout se passe bien. <laughs> et ses qualités, elles ne trompent pas. Et je pense que Paris, c'est un joueur encore très très jeune, a flairé le bon coup en le signant, 40 millions d'euros, je crois, bon, dans le football moderne. Euh, ça reste ça va pour le PSG et euh, il, a, il a de très très belles années devant lui parce que quoi il a que 24 ans en mmh. 23. 23 donc euh, encore de très belles années et beaucoup espérons qu'il te fasse pas mentir <laughs> euh, on va peut-être enchaîner cette fois-ci avec, euh, avec les flops de, de ce soir et notamment euh, notre ami Nuno Mendes qui était re, relancé dans le grand bain dans un huitième de finale de Ligue des Champions en retour après 11 mois sans titularisation c'était peut-être un peu trop tôt pour le lancer euh, comme ça mais c'est ça, c'est que que faisait Nuno Mendes sur le terrain ce soir Pourquoi Louis Enrique Alors c'est le seul petit bémol que, que je mettrais à Luis Enrique, c'est pourquoi tu, tu fais ça Alors effectivement tout à l'heure j'ai dit c'était intelligent de vouloir l'aligner, de vouloir le relancer, mais tu as aussi ce risque de déjà de le re-blesser re re tout simplement, ouais. et euh, aussi de le détruire dans, dans, dans la tête, parce que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis plus d'un an, euh, qui sort quand même d une, d une, d une, de, de, de très graves pépins physiques sans compter celui-ci, il y en avait un, déjà un, un grand euh, ouais. avant la Coupe du Monde. Il se blesse à la Coupe du Monde, ce qui est déjà mentalement très dur. Donc euh, c'est assez, euh, assez terrible. Et ce soir, on, on a vu qu'il a joué avec la peur. On sentait qu'il a joué avec le frein à main. Ouais. Sur les contacts, il avait peur. Mais c'est normal. C'est pas une prestation catastrophique, compte tenu de son talent évident. Mais, mais ce n'est pas le meilleur du nom Mendes. No Mendes. Et on voit qu'il n'est pas du tout prêt. On voit ouais. qu'il est hors rythme, on voit qu'il a du mal à suivre. Euh, même dans ses relances, euh, tu parlais de manquer de calcium, euh, ses, <laughs> ses relances euh, en défense manquaient clairement de, de puissance. Ouais. Et, euh, et Mendes, c'était un peu trop tôt ce soir. Fort heureusement, c'était un match où le PSG avait de l'avance, a su se mettre à l'abri rapidement, donc euh, on va dire que ça masque un petit peu sa, sa mauvaise prestation. Mais clairement, je pense qu'il va falloir des, de, plutôt de bons petits matchs de Ligue 1, euh, pas trop médiatisés, ou, euh, pour que Mendes puisse retrouver le, euh, le talent qu'il a, parce qu'on parle d'un joueur très talentueux l'un des, 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 des plus grands prodiges à son poste dans le football aujourd'hui. Si ce n'est le plus grand. Si ce le plus grand et... Mais c'est une grave blessure qu'il a eu. C'est une très grave blessure. Donc il, il faut prendre des pincettes sur son, sur son retour. Et ce soir, on voit juste qu'il n'était pas prêt physiquement, pas prêt techniquement. Et j'ai presque envie de dire pas prêt tactiquement. On sentait qu'il était perdu parce que c'est un joueur qui n'a presque pas joué, mmh. voire pas du tout, avec les, les Lucas Alandés, les Beraldo les, les, et, 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 et consorts. Donc c'est sûr que là, c'est compliqué pour lui. On l'a ressenti. Et il faut que Luis Enrique fasse très attention dans la, dans la gestion de ce dossier-là pour ne pas brûler complètement euh, Nuno Mendes dans, dans, dans sa tête. Tu valides, toi, cet avis ah Sachant que dans le chat, ils sont un petit peu partagés. Ils ne trouvent pas forcément que, 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 que Nuno a été mauvais ce soir. Il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été bon. Donc il est plutôt dans la moyenne, on va dire, moyen moins C'est pour ça qu'il a 5, la c note euh, de Foot Mercato, c'est ça. C'est un peu celui qui a été. Il a, Valentin a expliqué toutes les choses qui font que pourquoi il n'a pas fait un grand match, mais euh, voilà, on a senti que sur certains dégagements, sur certaines appréciations, lecture de jeu, surtout où j'ai trouvé en difficulté, il, il manque encore de repères, etc. Son retour sur le terrain, bien sûr, il faut se réadapter, avoir tous ses repères à son poste, etc. Et là, tu sens qu'il y avait... Pas mal de choses qu'il n'avait pas encore euh, bien cadrées, ouais. euh, bien ficelées encore euh, depuis son retour. Voilà, ça viendra avec le temps petit à petit. On voit par contre qu'il a encore toutes ses qualités de pointe de vitesse, euh, de sortie de balle, etc., de qualité de dribble ou autre. Euh, mais tu vois, voilà, juste, ça va prendre du temps, comme il dit, des matchs de Ligue 1 moins médiatisés, etc., euh, pour se remettre, même en Coupe de France contre Nice, si qui sait, tu vois, euh, où le gars va pouvoir revenir petit à petit, mais bien sûr, une telle absence euh, euh, loin des terrains. Ah oui, il y a des moments où tu oublies un peu les fondamentaux, où tu n'as plus trop de repères, et ça se rapprend, ça. Ça va très vite, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas mais faut ça faut le reprendre quand même t'es en grande forme ce soir hein. entre les mensonges le vélo t'es <laughs> au niveau hein, ce soir mais en tout cas oui pour, pour juste euh, relativiser par rapport aux, aux réactions dans, 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 dans le chat on voit que certains le, le qualifient même de top comme quoi il, il aurait verrouillé Kubo etc top c'est peut-être un peu beaucoup top c'est un peu beaucoup disons que <coughs> si on, on le juge si on juge objectivement son match sans contexte c'est pas un bon match c'est pas un match que Nuno Mendes a fait euh, de merveilleux tu vois ouais. c'est par rapport à son talent Maintenant, si on prend tout le contexte qu'on a énuméré, c'est un retour en douceur qui est mitigé, mais pas catastrophique, on va dire. Ouais. Mais quand on parle de flop, c'est sur ce match-là, ça a été l'un des Parisiens les moins bons. C'est plutôt dans ce sens-là que c'est un flop. Ouais. Maintenant, ce n'est pas un retour totalement inquiétant. C'est là où il faut relativiser, je pense. Et les autres joueurs dont on parle un peu moins, est-ce que Hakimi, par exemple, que j'ai trouvé parfois. Euh, Très très mauvais dans le, la, la, la construction offensive Dans les, les transmissions vers l'avant Il a perdu beaucoup de ballons Il a pris ce carton jaune qui l'empêche de jouer le quart de finale Allez puisqu'il était sous le coup d'une suspension Est-ce que vous le match d'Hakimi Je dirais pas qu'il est raté Mais en tout cas il, on, a, on a bien on a vu du bien meilleur Hakimi Son maillot parisien qu'est-ce que vous en pensez On l'a pas mis dans les flops ni dans les tops Mais qu'est-ce que vous en pensez de son match Lui qui était pourtant en début de saison la valeur sûre avec Ousmane Dembélé Bah écoute moi J'ai même pas envie de parler de son match J'ai surtout envie de parler de l'erreur ridicule qu'il fait quand le, les mecs sont au courant, il ne faut pas croire. Ils savent que s'ils prennent un carton jaune, ils sont suspendus et surtout qu'il est en ballotage très favorable. Oui, si tu es en ballotage défavorable ou quoi, peut-être que tu penses pas parce que tu ne penses même pas aux cartes. Tu penses à faire le meilleur match. Et quand tu fais le meilleur match, il bah, y a un retour. Ouais, euh, bref, tu fais la faute et que ça, tu prends ta biscotte. Mais là, le mec sait qu'il est en ballotage très favorable, etc. Donc il y a une grande probabilité qu'il ait en, Ligue des en quart de finale. Il prend son jaune. Donc là, Paris va être pénalisé au quart de finale. Allez. Peut-être d'une des meilleures pièces de Luis Enrique dans son puzzle, mmh. euh, la pièce qu'il aime tant, et euh, qu'il a confectionnée avec euh, cette, cette capacité à s'intercaler au milieu de terrain, à prendre des ballons dans l'entrejeu, etc. Euh, D'Akimi, c'est son rôle un peu parfait, idéal qu'il a fait de lui. Et là, tu vas, il est suspendu. Donc moi, je trouve ça juste bête, surtout que la faute, euh, bon, euh, la sociedad n'était pas une équipe euh, offensivement euh, qui fait très très peur. Donc euh, voilà, je trouve ça juste bête et dommage. Mais sinon, son match, euh, rien à dire euh, de particulier. Tu parlais de la Sociedad, je, je vais te laisser la parole puisque tu voulais évoquer euh, cette prestation de la Real ce soir qui a été euh, insipide, très moyenne. Alors moi je veux faire un bilan sur les deux matchs euh, de la Sociedad. Ok. Il euh, y a des mecs qui, ou des gens qui ont voulu nous parler de cette équipe, comme quoi oh, le PSG doit avoir peur de la Sociedad, attention le déplacement compliqué etc. Ah bon moi, je rien vu de ça. Surtout une équipe qui n'a pas gagné depuis trois mois et demi à domicile, euh, une équipe qui a pu planter euh, trois buts euh, sur les dix derniers matchs, quatre buts, allez, euh, qui ne met plus un pied devant l'autre, euh, qui a des joueurs... Euh, combien de joueurs de la société a de son titulaire au PSG juste Combien Voilà. Euh, je pense que la réponse, elle est là. Donc, pff, décevante aussi, parce que tu vois qu'à un moment, il y a eu les actions, mais ça n'a jamais planté. Oui, ça plante à la 90e minute du match retour, une fois qu'il y a 4-0 sur les deux matchs. Super, bien joué les gars. Mais sinon, ouais, totalement décevante, on m'a vendu cette équipe, moi qui l'avais vu très peu de fois, face au Barça, au Real, quand je regardais la Liga. Mais ouais, très déçu. Oui, on a vu des choses au match aller pendant 30 minutes, super. Mais à un moment, la Ligue des Champions, c'est un peu plus que ça. Donc, grosse déception. Euh, et si on n'a pas eu une rencontre alléchante, on va dire, sur le papier et dans le match, dans les deux matchs, bah, c'est aussi parce que l'adversaire n'était pas du tout au niveau du PSG. Et on voit que l'écart était énorme. Donc, ouais, grosse déception, la Sociedad, sur euh, l'ensemble des deux matchs face à Paris. Mais même au-delà au de ça, on a déjà vu des équipes euh, plus faibles, etc. Mais à pratiquer un, un beau jeu ou au moins avoir des, des prémices euh, tactiques euh, intéressantes. Là, euh, on nous a vendu euh, Emmanuel Aguakil euh, comme un coach, euh, comme un génie euh, tactique. Franchement, euh, le monsieur avec le prénom de médicaments pour diarrhée, euh, <laughs> casse-toi de là. Parce que <laughs> qu'est-ce qu qu'il a fait de. Il, on dirait que le match, il n'est même pas préparé. La double confrontation, elle n'est pas préparée. On. Un peu au début, là, au retour, tu as voulu nous faire croire que tu pouvais jouer au contre. As... Bah après les, les 15 premières minutes du match aller au parc, en fait, c'est peu... surtout Paris qui était mauvais, mais la Real n'était pas extraordinaire. Il y a eu cette frappe euh, à 20 ont... mètres. En fait, ils ont fait le plan de jeu qu'ils ont fait au match euh, aller. Ils, ont... ils voulaient le faire au match retour, mais ils l'ont fait au match aller. Quand ils, sont... ils étaient très haut au match aller au parc des Princes. Oui, bien et... sûr. Et au final, ils devaient le faire au match retour, mais ils n'ont l'ont pas fait. Mais oui, mais on... on a voulu nous faire croire que c'était la nouvelle coqueluche du, du football espagnol. Le... 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 Un mec qui peut rivaliser avec Louis. Mais on est où là enfin, c'est c'est ridicule. Là, 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 t'as rencontré, rencontré le René Girard de Liga. <laughs> c'est complètement Girard. fou. Non, mais il oui, moi... y a peut-être d'autres noms avant, peut-être Bordalas ou d'autres qui sont. Oui, bien des sûr. Des mais genre, qu est... Qu est... moi, je comprends même pas comment elle a, a pu passer en huitième cette équipe. Mais c'est franchement c'est spectaculaire. Hein. Franchement, euh... moi, je suis déçu parce que euh... j'adore avoir ce... des équipes un peu inédites comme ça qu'on voit qu'on a presque jamais vu en Ligue des Champions que ce soit dans nos... Ouais, dans... s'immiscer un peu dans voilà s'immiscer là-dedans tu vois clubs. même sans, sans compter les, les parcours un peu extraordinaires que a pu faire l'Ajax et compagnie mais ça c'était ouais. quand même des, des gros noms du, du football européen là c'était vraiment nouveau ça apportait un, un vent de fraîcheur et là j'étais mais, mais très déçu mais vraiment pour moi il y, y a en plus j'ai essayé de même les regarder en liga en disant peut-être c'est le côté des champions PSG qui cloche, mais même en Liga face à des équipes très moyennes, c'est ça, ça, même, contre... même pas beau. C'est même pas beau, regarder. J'ai match contre Séville euh, ce week-end, alors on a un Séville qui est ultra malade aussi, enfin qui est plutôt malade même s'il y a eu... Un qui un... lutte pour le maintien. Donc. Voilà, exactement. Ok, alors là j'ai vu l'équipe... Et ils sortent la semaine dernière en New en Coupe, ouais, on Roy, on coupe qui, du Roi en plus. 18e de Liga ou 17e, donc... Attends. Après ils avaient l'équipe B face à Séville, mais ok quand même, j'ai vu le truc, j'ai dit, ah ouais non. mais j'ai vu deux trois matchs là avant, euh, avant euh, j'ai vu aussi Villarreal, la ouais. lourde défaite face à Villarreal, ah, il y a eu un enchaînement de, de matchs mais de la société mais tu dis waouh. mais depuis 2024 cette, cette équipe est, est malade. Elle est malade elle mais malade. et peut-être que Limite ce soir qui prennent que 2-1 face au PSG dans le contexte dans lequel ils sont, tu dis que les mecs si c'est trouve, ils vont être contents, ils vont se dire ah ouais bah, tu vois le stade Limite, c'était si content. Tu dis ah ouais bah en fait on a perdu que deux 1 face au PSG alors qu'on en prend des on se prend des taules ou on n'est pas incapable de est incapable de battre Mallorca etc à domicile au final Parce les mecs, pour eux c'est limite vu la, la forme actuelle et la situation du club actuellement qui, limite un bon résultat ce qui est fou c'est comment cette équipe là a pu finir premier d'un groupe avec l'Inter Milan qui est l'une des équipes les plus solides d'Europe actuellement avait en ayant la meilleure défense du groupe comment c'est possible mais bon, ils font, ils font, euh, en fait ils font deux nuls contre l'Inter mais c'est spectaculaire. Ils font nul, un... nul. Pour non. moi, c'est… Et en plus, le, le dernier match contre l'Inter, je crois que l'Inter fait tourner. Euh, ouais, et puis ont... encore une fois, cette équipe de, de la Real Sociedad était bien plus convaincante ah, en première ouais, mais... de saison. C'est et... pour ça qu'ils sont toujours septième de Liga, malgré leur bilan catastrophique, parce qu'ils avaient match, très bien commencé. une victoire de Liga sur les cinq derniers matchs. Ils n'ont pas réussi à enchaîner deux victoires de Liga depuis le mois de novembre. Ah, tu vois, en fait, ils ont juste bien commencé. Voilà. Ils, ils ont, ça, ont été, un, un, sur le un gros début de saison il y a eu de la continuité parce qu'ils sont en Ligue des Champions aussi parce qu'ils ont fini quatrième l'an dernier, ils ont fait une grosse saison chapeau, merci les gars mais à un moment, il y a eu beaucoup de blessures aussi il faut leur remettre ça ouais, mais... Mais ce soir ils ont quasiment le 11 cibou. il y a plein ouais. de joueurs qui reviennent Oyer Sabal euh, revient mais il n'a pas été euh, il a pas pesé sur, sur ce match oh, Donc, euh, on peut parler des absents que ça fait effectivement on peut parler aussi du fait qu'ils reviennent de blessures Bref. Et, et aussi juste pour finir qu'il y a en fait juste des joueurs qui n'ont pas du tout le niveau Ligue des Champions euh, qui sont peut-être peut bons les gars voilà, moi je parle, je pense à, à Marie Traoré, ouais. à Galan C'est des mecs, Traoré, on le connaît très bien. C'est un très bon joueur de Ligue 1, etc. C'est un, bon un très bon joueur. Aussi. Et même avec le Mali, je trouve que c'est un très bon. En plus, il est capitaine, je crois, que le Mali en plus. J'adore ce joueur. Mais je pense que le niveau Ligue des Champions. Voilà, désolé. Et Becker, waouh, lui, ça avait été le, la révélation avec l'Union Berlin, l'an Berlin, euh, Berlin, euh, dernier sur la première partie de saison. Mais là, il met plus un pied devant l'autre. Et à la suite c'est. Wow, il y a des ouais. joueurs qui ont déçu ce soir aussi. Ouais. Enfin, on ouais. a parlé de la société dans, en tant que, en tant que euh, collectif, mais Robin Lenormand, qu'on annonce parfaitement ouais. à l'Atlético de Madrid, ce soir a été décevant. Il a oh. mal géré ses duels. Même il y a une faute sur Mbappé qui, qui ceinture bêtement. Ouais. L'arbitre siffle pas faute mmh. sur Mbappé. C'était Robert Le Breton. On dit. <rire> Robert <rire> Le Breton. Non, mais je suis d'accord, très décevant. Très décevant. Un Kubo, par exemple, qu'on annonce comme euh, pendant longtemps, il a eu les le Messi du Messi japonais. japonais euh, Mais enfin, tu sais, Kubo, idiot. Kubo, -ce je il trouve pas, quand même, c'est pas un peu trop tôt pour lui. Hein, Moi, je pense League pas. Je trouve justement ça, cette double confrontation sur des envolées, sur une action. Il... On sent quand même que pour le coup, lui, je il pense le que. Truc en plus. Il faut peut-être sauver, sauver le soldat Kubo très vite, je pense, et lui donner ouais. un vrai ouais. projet, peut-être d'Europa League ou de, des Champions pour continuer son développement. Parce que, euh, parce que tu le sens quand même que sur euh, une, rapi... une accélération, il a quand même un. Il a des, un vrai talent, je pense. Je pense que ce n'est pas un crack international du foot qui finira titulaire au Real Madrid et pilant 5 Ligues des Champions à la suite. Mais je pense que c'est un très bon joueur de foot. Et le contexte ne lui est pas favorable. Je pense que tu mets ce mec-là dans une équipe qui tourne en Ligue des Champions, type, je sais pas, je dis une bêtise, parce qu'en plus, il y a sa à son poste. Mais tu le mets à Arsenal, etc., dans une équipe comme ça, ouais. qui tourne bien. Oh, ouais. C'est un joueur qui sera bon et qui s'immiscera qui dans le collectif et qui sera un, un bon joueur capable de faire gagner des matchs, etc. Voilà, je pense juste que la pas... est trop petite pour lui, parce que tu sens que s'il si ne peut pas performer, etc., c'est aussi que les coéquipiers, etc., derrière, ça je suis pas. pas pa parfois, pas... il suffit juste d'une, tu sais, d'un bon transfert. Regarde, quand oui. il, nie, il y a un an, jamais personne n'en pensait euh, à les dire qu'il allait être euh, un joueur important de la rotation du PSG, et finalement, il est loin d'être ridicule, et on voit qu'il a le niveau clairement pour oui. être, euh, être dans la, la rotation, rotation d'un cadre d'Europe. Oui. Donc, euh, donc voilà, peut-être qu'il faut le, le bon transfert au bon moment pour Kubo, et, et ça ira mieux pour lui. On oui, a chouette. terminé avec euh, l'évaluation, les amis. On va passer maintenant à notre troisième débat du soir. Et notamment, à, il est consacré à Louis Enrique euh, qui, euh, qui, qui a pour mission de tranquilliser le Paris Saint-Germain, de, de reconstruire un Paris Saint-Germain en repartant de la base. Euh, fini les stars, fini euh, euh, le, le, bon, les... Le, non, mais <laughs> dans, dans l'idée, c'était ça. Hein, fini oui. les stars, ou en tout cas, fini les, 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 les passes droits aux stars. On va dire vrai, euh, et on remet l'institution au milieu. Euh, Louis Enrique était là pour la transition, pour prendre le temps, etc. Il nous avait aussi promis que son PG serait plus fort en mars qu'en décembre, en février qu'en décembre. Est-ce Est qu'au final, Louis Enrique n'est pas en train de réussir ce pourquoi il était engagé Est-ce que finalement, Louis Enrique, c'est pas lui qui a raison Si, moi je pense qu'il a raison, il a. De toute façon, moi, je n'aime pas ces mots de reconstruction ou quoi, parce que les grands clubs ne doivent jamais être en reconstruction, parce que les, les plus grands clubs ont gagné en étant en reconstruction, etc. Le Real, je prends l'exemple, il y a deux ans, la soulève, en... alors qu'ils ont une équipe avec euh, beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs, euh, on pense encore à un projet Mbappé, etc. Bref. Luis Enrique, il est arrivé à Paris pour une mission bien précise. Tu m'as parlé justement des stars qui sont partis, un nouveau projet, son management Mbappé, etc., parce qu'il sait qu'il part. Au final, le mec, il met ses idées en place. Il a les joueurs. Bien sûr qu'il n'a peut-être pas. Tous les joueurs qui veut, mais il a des joueurs qui lui correspondent. Quand je vois des mecs comme Vitinha, quand, quand je vois des mecs comme Hakimi, etc., il a quand même de très, très, très bons joueurs. Euh, Mbappé, quand il joue comme ça ce soir et qu'il le positionne dans, dans, avec ce positionnement-là. Donc je pense qu'il réussit son pari. Après, est-ce que son équipe est meilleure euh, actuellement il y, en a ça, il y en a qui vont dire non avec les résultats en Ligue 1, mais aussi il faut se dire il y a Paris, ça joue surtout pour la Ligue des Champions. Je pense que là, quand on voit la prestation de ce soir, on peut se dire oui. Pour moi, Paris est meilleur ce soir, surtout quand on prend les derniers les résultats qu'il y a eu à l'extérieur dans la phase de groupe, et aujourd'hui, bah oui, pour moi, Paris est meilleur aujourd'hui qu'en novembre, qu'en septembre, qu'en octobre, ou qu'en janvier même, tiens, ben en janvier il n'y a pas de test, mais bon. Bref, Paris est meilleur, donc il réussit son pari, il tient ses paroles, son management d'Mbappé, je suis fan, moi je tiens à le préciser, j'ai adoré tout ce qu'il a fait, je le soutiens à 100%, et il le montre encore ce soir, il n'est pas stupide, il sait qu'Mbappé est sa star et son meilleur joueur et que, et que ce soir il le met dans les meilleures dispositions, il performe. Parfait. Moi pour l'instant, Luis Enrique, est ce qu'il faut au PSG, j'ai pratiquement rien à redire. Mais bien sûr, tout n'est pas euh, sans C'est le football, le foot, c'est pas une science exacte, tout ne peut pas être tout bon. Le mais foot euh... ne ment jamais, comme tu dis. C'est pas pour ça. Mais, <laughs> mais c'est très vrai. Pour compléter ce que dit Alexandre, c'est vrai que moi je n'ai pas été le, le plus grand fan de Luis Enrique, mais. J'ai l'impression que plus les mois avancent, plus c'est un coach que tu aimes détester et que tu détestes apprécier, tu vois. Mmh. C'est un peu ce, ce, genre, ce genre de choses. Et quand on prend l'histoire récente du, du PSG, moi j'ai pas souvenir d'un coach Oh il y a eu des très bons coachs au PSG, attention, mais un coach qui gère autant toutes les dimensions de, 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 de la difficulté d'être coach au PSG. Ouais. Donc, on, la mission des médias, on a vu des Tourelles et des Unai Emery euh, tomber à moitié en dépression à cause de, de certains confrères qui, qui venaient toujours chercher la petite crise euh, en huitième, en quart. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il, il, il rassure, il se joue des journalistes, qui peut être parfois un peu agaçant, mais au moins il permet de maintenir une cohésion dans le groupe. Le groupe, on a l'impression que tout le monde vit bien depuis le début. Il y a eu cet épisode Mbappé qu'il a, comme l'a dit Alexandre, très bien géré finalement, en, en, en rappelant que, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est le patron, qui prépare aussi l'avenir sans Mbappé. Donc il arrive à apporter ce qu'on appelle une, non pas une reconstruction, mais une transition plutôt, une restauration voilà. vers un, 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 un nouveau projet. Donc louis Enrique gère parfaitement le, le PSG, c'est vrai. Et tout n'a pas été parfait, parce qu'il n'est pas venu dans le PSG euh, dans, dans, dans les meilleures conditions, contrairement à, à Tourelle ou Emery qui, ou même Galtier, qui pouvait avoir euh, des conditions plus simples, plus favorables, avec de plus grands joueurs. Mais au moins là, il a tout pour installer le collectif qu'il veut. Il, on sent qu'il a les mains libres, on sent que c'est lui le patron. Et, et du coup, ça fait ce, ce, ce genre de choses. Aujourd'hui, tu es toujours en lice en, en, en Coupe de France, tu as remporté le trophée des champions, tu domines la Ligue 1, tu, tu passes tranquille... Euh, en, en quart de finale de Ligue des Champions on a une première depuis trois ans. Co qu'est-ce que tu veux de plus Tu vois, il y a des joueurs qui progressent. Ah euh... oui. Barcola, Barcola qui, progresse, qui, qui progresse. vicinia, qui progresse. emery, qui Dembélé. continue sa progression, même si euh, il se prend un, 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 un petit mur en, en, en ce moment, mais ça va mieux. Il commence à, à il a relancé Beraldo très vite dans le bain. Tu te tapes quand même des blessures août toute la saison. L'équipe MB les scrinières. Bah, tu sors Beraldo de ton chapeau et finalement, ça met du temps, mais ça va. Après, une, il a une chance, c'est qu'il a un effectif très large Et tant mieux pour bah, lui Pas spécialement, de base Est-ce que de base, un Carlos Solaire c'est rassurant euh, Non, de mais voir avec un qui était capitaine à Valence Moi je pense que Carlos Solaire, je reste persuadé que c'est un bon joueur de Oui, c'est un, un joueur correct bon. mais, mais tous les grands clubs, regarde, tu prends le Bayern Le, le banc du Bayern, oui, euh, il y a des joueurs Sur le banc, même au Entre guillemets au Real Madrid, il y a des joueurs sur le banc C'est pas des cracks. Ouais, mais je pense que, par exemple, le banc du Real le banc de City, le banc du Bayern... City, mais... c'est le seul club qui a un sacré banc pour moi. Mais sinon, Bayern, t'as des Saragossa sur le banc. Euh, non, mais c'est vrai, il est sur le banc, Saragossa, etc. Paris, sur le banc, euh, t'as quand même Asensio, colombo bon, bon... Oui, bien sûr. T as... T as euh, de... Gonzalo Ramos... En attaque, je trouve que t'as une grosse profondeur. En défense, le... de par le fait que t'as deux... deux grosses blessures... les blessures, t'as une grosse profondeur. Bien sûr, moi. mais là, le fait à 100%, le Leirke là, euh, comme, comme le Bayern, ils, eu. Ont, ils ont une bonne profondeur de banc en défense. Mais là, ils en ont une mauvaise parce qu'il y, y a des, ah oui, y a des blessures. Mais euh, sinon, je trouve que as quand même, il a un bel effectif assez large. Et oui, peut-être juste au milieu de terrain, il est large l'effectif, mais peut-être un petit manque de qualité. Même si attends, il a Ougarté qui a coûté 60 millions, qui peut se mettre sur le banc et il le fait rentrer parfaitement. Donc, euh, il bénéficie d'un très bel effectif quand même, je pense. Même voilà, moins de stars, mais peut-être plus complet avec plus de joueurs de devoir et euh, quand même de très très gros talents. Et il fait, euh, là, euh, comme la dival, je l'avais pas dit, mais le mec the est engagé sur toutes les compètes, en fait. Bah Potentiellement, oui. il peut faire oh, le, le, le triplé. Euh, C'est peut-être un rêve encore, le triplé, le doublé, oui. Triplé triple champion. Allez le quadruplé du coup. <laughs> il peut peut-être, il est encore en lice pour faire le, quadru le quadruplé. qu'on peut qu'on peut ne nous le dira pas puisqu'il n'aime pas les les il les déteste même. Est-ce que a euh, little a cherché à piquer Kylian Mbappé dans son orgueil C'est possible c'est possible, il l'avait déjà fait à plusieurs reprises dans d'autres clubs. Hein. Il, il avait eu un épisode avec Messi, il me Messi. semble, à, à Barcelone. Il en avait même eu un, je me semble, avec Totti à la Roma, à l'époque. Donc, il s'attaque souvent à des, à des, à des monuments du, des, des clubs, ou du moins à, à ton meilleur joueur. Donc, euh, parfois ça fonctionne, parfois ça casse. L'avantage, c'est que euh, Luis Enrique reste quand même un, un grand bonhomme dans l'histoire du, du football européen. Ouais. Euh, en tant que coach, en tant que joueur, il est respecté, il est charismatique, euh, il sait parler aux joueurs, il sait parler aux journalistes. Il ne se démonte pas, surtout. Il, il se démonte là. pas. Et euh, il, il a ce, ce, cette manière de, bah, de jouer des journalistes qui peut, peut être agaçant pour nous. quand J'en ai fait des conférences de presse des Amis cette année. C'est agaçant le fait qu'ils ne qu te répondent pas. Mais c'est comme ça, comme je l'ai dit, qu'il conserve une, une cohésion dans son groupe. Il ne laisse pas de, 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 de petites choses parasiter son groupe, comme on, on l'a pu avoir avec Emery, comme on a pu l'avoir avec antilotti Il euh, faut, faut, faut se rappeler de la fin d'antilotti avec son départ au Real Madrid, c'était très agaçant, euh, ouais. les questions sur Real Madrid. Donc euh, euh, Emery, c'est pareil. Euh, Emery, je me rappelle de son comportement pendant la remontée de Barcelone. Sur le, il, il était mais tétanisé dans, 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 dans sa zone technique là même pendant les matchs je trouve euh, sa manière de communiquer pendant les matchs euh, avec son staff ses allers-retours constants je trouve que c'est un coach qui, fait, qui revient souvent sur son banc pour parler à ses adjoints il, il parle beaucoup à ses joueurs il appelle à chaque fois ses joueurs pour qu'ils viennent le parler à chaque temps mort donc je, je trouve qu'il a parfaitement euh, son groupe dans les mains ça se ressent et euh, malgré l'épisode Mbappé, on, on aurait pu croire qu'il y ait des clans aujourd'hui. Finalement, est-ce que je n'ai pas l'impression que ça a dérangé beaucoup euh, Dembélé et tous les amis de Mbappé cet épisode ouais. Donc euh, c'est parfait. En tout cas, il n'y a pas de problème entre Louis Enrique et Kylian Mbappé puisqu'il a dit en conférence de presse, euh, non, conférence de presse au micro de Canal, je crois. Euh, Kylian a toujours le même engagement, on n'a pas de problème. On pense le meilleur pour l'équipe. Il a été exceptionnel aujourd'hui et ce fut un très bon moment pour nous tous. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Voilà, tout est bien qui finit bien euh, cet épisode communication communication parfaite du, du mois de mars parfaite. et d'ailleurs on parle de communication mais vous savez très bien qui est ce qui apparaît dès que le PSG se qualifie le président oui, Nasser, Nasser Nasser. qui a dit ceci alors on n'a pas de, de panneau d'éclat, hein, mais qui a dit le coach il décide c'est sa décision on est avec lui et derrière lui le plus important c'est l'équipe c'est le PSG Kylian a fait un grand match on est fier de lui il a marqué deux buts avec un vrai collectif bon Peut-être que si euh, Mbappé n'avait pas été bon et que le PSG avait été éliminé ce soir, la déclaration aurait été différente. Mais c'est bien tout le pouvoir, bien de la déclaration. Ouais, tout va bien pour Paris. Voilà, <laughs> tout il, va bien. Il, il est très content. Mais en tout cas, on sent que dans la communication, on appuie le fait qu'un vrai collectif, on est fier de lui, le coach décide, on veut remettre un peu tout le monde à sa place, le joueur à sa place, le coach à sa place, moi j'ai ma place, je fais mes déclats, etc. Bref. La transition continue comme tu en parlais tout à l'heure. Euh, on en a fini avec ce, ce débat, Louis-Henriquet, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter. Mais je l'avenir nous dira euh, si euh, Louis-Henriquet avait raison. Pour l'instant, à l'instant T, il gère bien euh, sa barque. Il a raison. On peut le dire. Enfin, de, les résultats lui donnent raison. Pour l'instant, ouais. il a raison, en tout cas. Factuellement, ouais. il a raison au vu des résultats. Les, les résultats lui, lui donnent raison. Euh, on va enchaîner avec le, le dernier débat de, du, du soir. C'est la suite. C'est le tirage d'ailleurs, on vous donne rendez-vous vendredi 15 mars, il me semble, pour le live tirage au sort. On sera en direct à midi, il me semble. Je crois que c'est midi. midi. Voilà, donc euh, restez. Voilà, si vous n'avez pas, vous avez pas la chaîne, de toute façon, la chaîne elle est ici, c'est Foot Mercato. Venez <laughs> en direct. On fera le live du, du tirage au sort de l'Équipe des Champions. Euh, du coup, projetons-nous un petit peu, vu que maintenant l'étape des huitièmes de finale s'est passée. Euh, c'est un titre comme ça, ouvert, c'est une question comme ça. Quel tirage pour les cas Qui Voyez-vous pour Paris, qui aimeriez-vous, qui aimeriez-vous éviter Est-ce que Paris doit prendre un gros Est-ce qu'il y a encore le... des gros et des petits à de la compétition Oui. C'est quoi la suite bah, Le truc c'est qu'on ne peut pas trop trop se projeter parce qu'il y a plein de matchs encore indécis, tu vois, PSV. Bah bon, PSV Dortmund, <laughs> dans tous les cas, on passe se tir. C'est un beau bon tirage. C'est un excellent tirage. C'est le tirage rêvé. La Société était le tirage rêvé. Ça ferait un double tirage rêvé. Euh, Arsenal Porto, bah, Arsenal est en ballotage défavorable, donc euh, j'ai pas envie de me prononcer. Avant, euh, le Real, c'est un ballotage favorable, mais il y a quand même un match retourage. Moi, dire City, ça serait un mauvais tirage dans tous les cas. Ouais. Je pense que le Bayern, oui, ce soir il gagne, mais vu la situation au club, les blessures, etc., je pense que ça serait bon tirage. Le Bayern n'est jamais un bon tirage, mais un tirage vraiment abordable. Mais pas bon forcément. Je te dis pas que c'est, tu, tu sautes deux ça, quand pour le Bayern, mais tu te dirais pas comme les années précédentes, oh purée. Oh c'est ça. En fait, le, le Bayern, je pense, c'est. C'est ah, si qui a remporté son match 3-0. 3-0 contre on, la Lazio. Ils ont réussi leur remontada, même s'il n'y avait eu 1-0. Mais voilà. Ils ont, euh, disons que si on, on mesure ça en, en 3, 3 sacs, de, euh, le PSG euh, n'est pas favori, c'est équilibré et le PSG est largement favori. Si on va, on va par là, les 3 à éviter, si on va, on va prendre on va dire, les favoris et les gros clubs, ouais. c'est pour moi City, Real, Inter. Pour moi, ces 3-là, c'est à éviter. Parce que, bah, si qu on connaît, le Real, c'est leur compétition, il faut toujours les éviter de manière à les champions, et l'Inter, c'est une des équipes les plus en forme, meilleure défense d'Italie, meilleure attaque d'Italie, ils roulent sur toutes les compétitions qu'ils font, sa maîtrise, collectif, La Otaro Martinez est incroyable, donc pour moi, c'est une équipe tellement cohérente, avec une, un gros collectif, que pour moi, c'est très dangereux, euh, l'Inter, pour le... Euh, Paris a toutes ses chances contre l'Inter mais, oui, il oui, reste les chances, mais, euh... mais c est, c est, pour moi c'est dangereux, selon la Alors, encore une fois le, le contexte. Après, tu as une équipe comme le Bayern, comme Arsenal ou euh, Porto. Ça pour moi, bon, si c'est Porto, je pense qu'on le PSG par ouais, favori, mais, mais même. si c'est Bayern ou Arsenal, pour moi c'est à peu près pareil. Bayern, je Arsenal, pense que le Paris sera devant Arsenal ou au niveau peut être devant, Ça peut être, euh, devant, peu ça peut être devant, mais euh, je ne serais pas étonné que oui. le PSG sorte contre Arsenal. C'est plausible, mais je pense que Paris sera favori parce qu'on a Arsenal qui n'a pas, qui n'a pas comme une équipe encore très très jeune avec beaucoup de joueurs qui ont pas du tout d'expérience dans la compétition, mmh. même s'il y a des très bons joueurs, hein, ça j'ai pas de souci. Voilà, mais dans tous les cas, c'est dur de se projeter. Même l'Inter, en fait, il y a eu 15-0 à l'aller, là ils se déplacent au retour, ça se trouve ils vont sortir, qui sait Peut-être. Peut qu ils vont passer, hein, moi. Moi, si ouais, bien sûr. Si je, je conseille personne de parier, mais bon pour moi, l'Inter passera. Mais euh voilà en fait mais le meilleur tirage clairement c'est Dortmund ou le PSG quoi. Là, 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 et, et si Portopas, euh, aussi, Porto Manifest. passe aussi c'est pas mal du coup si on, si on devait faire un état des lieux là avec les matchs européens que vous avez vu cette saison ouais. avec les matchs allés où est-ce qu'on situe le PSG bah en fait moi pour moi il y a aucune équipe qui m'a impressionné même City n'a pas été City n'est pas aussi impressionnant que l'an dernier Paris pour moi est dans les 4 meilleures équipes d'Europe au niveau oui. de effectif et euh, après elle n'est pas première ouais. par contre je suis sûr et que... tu vas être qui du coup bah, je mets City en numéro qui... un, forcément. Mais non, le Real, le Real, faut regarder. Le a impressionné vraiment. Parce que même City, ils ont impressionné. Mais est-ce qu'ils ont impressionné vraiment? Non, mais en vrai, City, je les mets numéro un, un au up. vu de l'effectif. Et ouais. de cette capacité que Guardiola a à être bon dans les moments importants de la saison. Lucien Riquel, là aussi, d'ailleurs. il nous le montre en ce moment. Mais. Le Real, moi je les ai vus ce week-end contre. J'ai vu le replay, bon, parce qu'il y avait le match de l'OM en même temps. Euh, ils, font encore, ils ont encore beaucoup de blessés. En défense, c'est compliqué. C'est quand même impressionnant parce que tu as cette qualité de d'Ancelotti a toujours gagné ou quoi. Mais on n'est pas sur un Real. On en fait beaucoup, je trouve, avec le Real cette année, qui va peut-être peut qui remporteront la Ligue des Champions. Mais il ne faut pas croire qu'ils sont si imprenables que ça, parce qu'en défense, il y a encore des, il y a cette, ce problème de charnière, ces blessures, etc. Ou attention, y a... et tout, attention, quand même, tu vois. Y a un, y a, je remercie Jeff Johnson, on a complètement oublié ce, ce combat d'infirme pour la référence de South Park. Barcelone, <laughs> Naples. Oh bah là, Paris, passe les là deux. Paris, normalement, passe les deux. Même si Barcelone, euh, ils aiment bien. Euh, ouais, mais là, Barcelone, <laughs> ils aiment bien le, le PSG. Mais, mais Barcelone, faut se dire, là, attends, attends. Là, oui, normalement, non, non, oui, là, il a la la raison. Il y qui est out pendant un mois. Pedri, Pedri Dora, pareil, euh, Gavi, il est mort jusqu'à la fin de saison. Euh, Ferran Torres qui était plutôt bon. Je crois que je ne sais pas ce qu'il a. Il a une blessure à durée encore super longue. Euh, il y a euh, Balde qui a sauté. Il est out jusqu'à la fin de saison. Wow. Déjà que le club n'est pas dans une situation euh, magnifique. Wow, là, avec toutes les blessures, les absences, mais si Paris tombe contre le, le Barça. Là, tu as deux clubs, deux clubs en crise. Fait, quoi. Je pense que. Tu, ah, euh, Barcelone. Je pense que Paris n'a pas trop trop. Je pense que Paris deux, sera ouais. favori, et si tu joues ton jeu que tu. Dé... Après, c'est le Barça, les grands clubs. mais Est-ce que le Barça aujourd'hui Est-ce es... que, est-ce que pour l'histoire, Victor Osimen qui rencontre le PSG, qui envoie un message aux dirigeants parisiens Paris, Qui parisien, prend ses marques au Parc qui qui prend ses Paris. prend ses marques, hein. <laughs> peut-être. Ouais, mais en, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de configurations où Paris sera favori. Après, favori, ça veut rien dire parce qu'il y a le papier, il y a le terrain. Comme on dit Arsenal, ça se trouve Paris, bah oui, ils seront quand même, on dira Paris favori, mais comme tu dis, Arsenal est une belle équipe et elle est en capacité si Paris passe en De toute façon, c'est une édition qui est très ouverte. Moi, je mets quand même City et Real au-dessus. Mais Real, je est quand même en dessous de City, tu vois. Et je mets Paris et Real. Ouais, ouais, le Real en est Un petit peu au-dessus de Paris, mais. Le Real slash Carlo Ancelotti en est des champions, moi, je le mettrais toujours numéro 1, 2, quoi. Là, c'est. Il y a quand même des trucs cette saison au Real, on va pas faire un débat réel, mais l'absence de numéro 9 dans certains matchs, Rodrigo qui, quand Vinicius est à gauche, est un peu moins performant, la défense avec les, long, les grosses absences à la bas jusqu'à la fin de saison, mm -hmm. Militao qui va peut-être revenir, euh, les latéraux où ils sont un peu contestés, oui, il y a le milieu de terrain par contre. Là. Et, puis, et puis surtout, euh, les faits euh, le match aller euh, 8ème de. Ouais, contre le Leipzig. Si Leipzig c'est cadré une frappe, euh, il y a 3-0 à la mi-temps. Ouais. Donc. Euh, le, le... Ça tombe le... le... bien, Paris ne s'est pas cadré une frappe. Donc... <rire> <rire> il y en a un qui, a, qui ce soir, a eu, a eu deux occasions, entre guillemets. Il a su cadrer. Euh... Pas Randal Colomagnini. <laughs> les amis, je pense qu'on a fait le tour euh, ce soir. Peut-être euh, si vous voulez dire un mot sur le Bayern Lazio, si vous avez eu. Écoutez, bah, a... Mugela était impressionnant. Formidable joueur de ballon. Comme d'hab, de toute façon. Et euh, le Prince Harry, euh, quelle saison est en train de nous pondre euh, le Prince Harry euh, de son... Je crois que c'est 33 matchs, 32 buts. 33. C'était. Euh, contre... 33-33 33, 33. Waouh, c'est fort. fort. Mais, mais il va réussir heureux... à potentiellement pas gagner la Bundesliga. Rien gagné. Et pas gagner un titre. Mais ça serait du Kane. Est-ce que c'est pas ça qui est plus beau le plus Non, je crois Kane. pas, non. Bah non, mais je pense que si <laughs> -ce les c'est juste. Est-ce que sa ça... est est marque de et... fabrique, c'est pas. Ne pas gagner de trophée. Mais ah, mais je peux te promettre que c'est pas du tout la marque de favori du Bayern. Je non, pense qu'il va qu être qu très, est très, très en colère. colère. <laughs> Est-ce que ce joueur ne serait pas défini par ça Gros stats, tout plus, explosé, mais n'a rien gagné. Ils de la Coupe d'Allemagne par une D4 ou D3, je sais plus. Le, ça, le ça, championnat, ils l'ont fini. Euh, de, D3, le 3, le ouais, mais a, un, un promu D3 qui était en D4 l'année dernière. Donc, Ils ont perdu euh... la Super Coupe d'Allemagne contre Leipzig. Bien sûr. Ouais. Ils ont tout perdu. Et Chabio Alonso devrait amener la, la Bundesliga au ah Bayern. Là, 10 points d'avance. Bon, là, là, bon je pense ça. que là, quand même. Quasiment fait. Bah, les amis, euh, on a fait le tour, je pense. Je de, crois de, bien. De, 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 de cette soirée Ligue des Champions. Écoute, de ta cette... a plutôt bien tenu. Euh, euh, J'essaye. Elle a mieux tenu que la Real Sociedad <laughs> sur les deux matchs, en tout cas. Ouais, avec bah on <laughs> Le essaye. plan de jeu de notre. Bah après, après, ami. après, tu dis ça, mais là, je vais rentrer chez moi, je j'arrive plus rien. le miel et le lait. Hein? Je t'ai vu avec ton miel et ton lait. Il était là, le lait. Là, voilà, les Pas miels de ce ce produits, soir. Euh, les produits laitiers. <laughs> non, non, on n'est pas sponsorisé par les produits laitiers. Bon, les amis, merci d'avoir été avec nous dans le chat. Merci Val, merci Chacha d'avoir été là ce soir. Merci les gars. Euh, on se donne rendez-vous du coup vendredi 15 mars pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. On sera en direct pour suivre euh, bah, le potentiel. Euh, on connaîtra le futur adversaire du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale. Bonne nuit à tous. Ciao et julio. Ciao les gars. Ciao. Ciao.